Mais la croisière, c'est une belle histoire, une histoire collective, surtout à Marseille, puisque il y a une association qui est née qui s'appelle le Club de Croisière de trois partenaires institutionnels qui sont la mairie de Marseille, la chambre de commerce et le port, qui ont mis en place toute une synergie depuis 20 ans pour connaître le succès que nous avons aujourd'hui. Donc l'idée a germé avec le Club de Croisière il y a une quinzaine d'années de faire une rencontre B2B qui s'appelle le Top Cruise qui a lieu aujourd'hui. Donc ce sont des ateliers, des conférences toute la journée qui sont uniques en France et dont l'idée a été reprise un peu partout dans le monde. Elle a été initiée ici il y a 15 ans et donc on retrouve donc tout le monde de la croisière. Voilà ce qu'est le Top Cruise, donc c'est faire rencontrer des professionnels uniquement. Ce n'est pas un salon, il n'y a pas de gens qui viennent acheter des croisières ici. Mais par contre, tous les gens qui comptent dans le milieu de la croisière, c'est vraiment la grande messe. Ils sont là, tous les opérateurs, comme ceux qui vendent, comme ceux qui vont aussi vendre des excursions, puisque ensuite, la nouveauté maintenant, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont en capacité d'avoir une offre touristique, bien sûr, dédiée à tous les touristes et qui maintenant se rapprochent du monde de la croisière parce que l'accueil est essentiel, il faut qu'on soit capable d'être excellent. Chaque croisiériste est différent, il a une opportunité de découvrir Marseille, d'avoir une activité lorsqu'il est à terre, donc en Marseille, à Cassis, à Aix-en-Provence, dans toute la métropole. Top Cruise 2015, en fait, on va présenter les grandes nouveautés de l'année 2016 en ce qui nous concerne. C'est bien sûr la confirmation et la consolidation de la programmation que nous avons au départ de Marseille sur l'ensemble de la flotte en Méditerranée. Nous sommes en train de préparer effectivement le réseau de distribution ici pour Top Cruise aux grandes campagnes de communication que nous aurons le loisir de lancer sur l'année 2016 à partir de janvier. Et aussi des destinations qui sont plus exotiques, qui sont très belles, notamment l'océan Indien. Nous avons des croisières au départ de la Réunion sur Réunion, Maurice, Madagascar, Seychelles. Nous revenons avec une très forte augmentation de capacité sur ces axes-là, sans oublier également la France d'outre-mer avec les Antilles, où il y a deux paquebots sur des croisières de 7 et 14 jours, toute la saison d'hiver, au départ de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, donc une très grosse programmation sur laquelle la France de métropole ainsi que la France des Tom-Tom se déploie très 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 fortement. La croisière va très bien, l'activité croisière depuis maintenant 10 ans est en très bonne forme. On reste avec un très gros potentiel d'augmentation devant nous puisqu'on a à peu près que 1% de la population française qui fait des croisières. Comparativement à des pays comme les États-Unis qui sont à 3,5 d'un pays mature. Donc ça veut dire qu'on a encore un gros effort à faire, qu'il y a l'effort du passé qui est très positif, mais que maintenant il faut quand même se tourner vers l'avenir. Et pour se tourner vers l'avenir, on a besoin de rencontrer les agences, d'où l'intérêt aujourd'hui de ce Top Cruise. On a à bord des croisières maintenant à peu près tout ce qui existe en termes de satisfaction client et d'attente client, que ce soit au niveau culturel, puisqu'on va dans des lieux où on peut visiter, le niveau farniente, on va aussi sur des zones où on peut se détendre avec de la plage. À bord du bateau, vous allez trouver toutes les prestations possibles et imaginables. Chez nous, Croisière de France, on a une prestation de restauration qui n'est pas gastronomique, mais qui est bistronomique. On arrive aujourd'hui à satisfaire toutes les demandes, aussi bien les demandes sur le haut de gamme, avec des compagnies qui sont spécialisées là-dessus, que des demandes qui sont plutôt sur les prix premiers prix, les prix abordables. Mais c'est vrai qu'un agent de voyage devrait se proposer au moins deux ou trois compagnies en fonction de la qualité des clients qui en face de manière à pouvoir être systématiquement proposé et pas forcément vendu, mais systématiquement proposé et donc reconnu, on va dire adopté. Voilà. Alors, MSC Croisières est particulièrement fière d'être à nouveau présente à Top Cruise, à cette 1ème édition, ici à Marseille. C'est notre fief, c'est le principal port de la croisière en France. Et cette édition a une nouveauté qui est d'autant plus importante de par la puissance que l'industrie de la croisière a gagnée aujourd'hui sur le marché français. C'est qu'en même temps, il y a le rendez-vous du syndicat national des agences de voyage qui se célèbre ici à Marseille aussi, en même temps avec une superposition qui est très juste. Là, vous avez l'ensemble des professionnels du tourisme français, l'élément novateur de la croisière porté par MSC depuis 5 ans avec une progression qui en fait le moteur de l'industrie dans l'Hexagone et les distributeurs. Notre
présence à Top Cruise et pour identifier un peu notre production, un océan de croisière, et rappeler aux agences que nous avons un panel et un choix très diversifié de croisières, puisque nous avons dans notre catalogue 18 compagnies de croisière. Et effectivement, cette année, nous mettons un peu l'accent sur différentes nouveautés, notamment l'arrivée du Norwegian Epic au départ de Marseille, et qui proposera des croisières entre avril et octobre 2016 en 7 nuits. C'est mettre un peu à la portée des clients français une compagnie, Cunard, qui est souvent méconnue et qui peut paraître plus anglaise pour nos clients et qui peut faire peur à des clients qui ne sont pas forcément totalement anglophones. C'est de leur dire qu'ils peuvent partir sur ces bateaux avec un encadrement français pour les aider à découvrir des compagnies un petit peu plus internationales qui méritent d'être connues sur le marché et qui méritent toute l'attention de nos professionnels. L'idée est effectivement de montrer surtout aux agents de voyage que la croisière est plurielle et qu'elle répond à une demande de plus en plus large des clients et des passagers croisiéristes ou des futurs croisiéristes, et qu'il faut savoir identifier les besoins et les rêves de croisière de chacun pour pouvoir répondre au mieux à la demande, tout simplement. Nous, ce qu'on vient chercher en tant qu'agent de voyage sur un tel salon, c'est d'avoir les nouveautés au niveau des croisiéristes, d'avoir des informations complémentaires, pouvoir renseigner au mieux nos clients sur tout ce qui va être et les cabines et les itinéraires et les nouveautés de bateaux qui vont sortir, et surtout même les départs au départ de Marseille et de Nice, au plus proche de nous. Alors Top Cruise, c'est l'occasion pour nous, en tant que spécialistes de la croisière, de diversifier nos offres. Et surtout que nous avons une clientèle qui est habituée à la croisière sur la Martinique et qui recherche de plus en plus à s'évader et à trouver de nouveaux itinéraires, de nouvelles formules, de nouveaux bateaux. Donc simplement on vient se renseigner et puis proposer des choses plus diversifiées, plus variées.